Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on parle de « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo » de Dany Laferrière. C'est un livre qui est sorti en 2015 aux éditions Mémoire d'Encrier. Dany Laferrière est un écrivain originaire de Haïti. Il est né en 1953 à Port-au-Prince, puis en 1976, il quitte son île pour Montréal, où il habite à présent. En décembre 2013, il est élu à l'Académie française et durant sa carrière, il va recevoir de nombreux prix, notamment le prix Medici en 2009 ou encore le Grand Prix du Livre de Montréal également en 2009. On a eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre de Genève en avril dernier. C'est quelqu'un qui est très sympathique et qui a beaucoup d'humour. Dany Laferrière a écrit un très grand nombre de textes, parmi lesquels on peut citer « L'odeur du café »,« Le cri des oiseaux fous » ou encore « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », qui est son premier roman. Dans « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo », le narrateur, qui est ici l'auteur, rencontre dans les rues de Montréal un jeune homme qui vient d'arriver du Cameroun. Le narrateur se reconnaît en ce jeune homme puisqu'il est lui-même immigré. Et il va donc lui donner des conseils à sa manière pour entamer sa nouvelle vie. Souvent dans ce livre, le Nord est opposé au Sud et les cultures sont comparées. Le Québec est Haïti ou le Québec est le Cameroun par exemple. Le texte est assez hétéroclite puisqu'il fait figurer les rencontres qui ont lieu entre le narrateur et Mongo, mais également les chroniques de l'auteur à la radio et des pages de son carnet personnel. Les dernières 100 pages du livre forment quant à elles une partie un peu à part, qui s'intitule « Comment s'infiltrer dans une nouvelle culture » et où on trouve 81 petits paragraphes sur différents sujets tels que l'amitié, les Amérindiens ou encore le tutoiement. La première chose qu'on peut noter à la lecture de ce texte, c'est la qualité de la langue. C'est vraiment un très beau français qu'emploie ici Dany Laferrière. Ensuite, ce qui est aussi frappant, c'est l'érudition de l'auteur qui s'applique ici au Québec, à son histoire, sa politique ou encore ses mœurs. C'est un livre d'une grande profondeur, plein de subtilité et également plein d'humour. La forme du texte est un peu déroutante puisque c'est un livre qui mélange plusieurs genres comme le roman, l'autobiographie, la chronique ou encore le journal intime. Mais je pense que c'est ce mélange des genres qui fait sa richesse. Et le livre serait beaucoup moins intéressant s'il se concentrait sur un seul de ces aspects. Enfin, pour nous qui allons partir vivre une année à Montréal, ce livre est une belle incursion dans la culture québécoise. La politique, les classes sociales, l'idéologie occupent une place importante dans notre vie, mais assurément pas toute la place. On peut ne pas pouvoir quitter un lieu parce qu'une odeur ou une couleur nous retient dans les filets soyeux de sa séduction. Pour ma part, ce n'est pas une chose concrète, mais un sentiment qui me retient ici. Une fois revenant de New York après un mois et traversant le pont en voiture, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas moi qui roulais vers la ville, mais Montréal qui venait dans ma direction. Mongo s'est installé en face de moi avant que j'aie eu le temps de lui offrir un siège. « Ça ne se fait pas, Mongo. De quoi parles-tu ? Tu ne peux pas arriver comme ça. Peut-être que la place était réservée à quelqu'un d'autre. J'attends peut-être, je ne sais pas moi, une fille. Pourquoi ne pas le dire ? C'est quelque chose que tout le monde sait, on ne s'impose pas comme ça aux gens. Je ne comprends pas, vieux, je m'assois toujours ici pour bavarder avec toi. Et si je ne voulais pas aujourd'hui? Il faut toujours s'assurer que l'autre est d'accord avec nous, surtout quand il est impliqué. C'est la base ici. On ne te dira rien, Mongo. » Voilà, c'était « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo » de Dany Laferrière. Salut et à bientôt!